qui est relativement ouverte, mais quand même plus destinée à avoir des ébénistes, des gens qui vont posséder une scène par la suite. Et donc, bah, tout type d'artisans, que ce soit pour faire de l'agencement ou pour faire des séries d'objets en bois, on va pouvoir répondre et balayer un peu tout ce qui concerne des problématiques, bah, du coup, soit de production unique, soit de la production de séries et l'usinage d'une série ou de pièces en série en grand nombre. La formation s'anime sur 8 jours, 4 jours de pratique du logiciel Fusion 360, puis 4 jours de formation sur la CNC. Donc elle est divisée en deux pour voir le logiciel dans un premier temps, modéliser des formes simples, modéliser des formes plus avancées, et ensuite 4 jours de fabrication où on va pouvoir voir bah, toutes les nuances de fabrication avec la machine à commande numérique, du coup bah, les différents outils et comment programmer une machine à commande numérique. On écoute beaucoup l'élève, c'est-à-dire que s'il vient dans cette formation, c'est généralement qu'il a un besoin, soit très 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 particulier, très ciblé, soit un peu plus général. Du coup, l'idée, c'est de lui faire apprendre, bah, soit d'aller un peu plus pousser la formation vers ce besoin spécifique, ou alors de balayer très large pour que l'élève sorte avec le plus une vision globale du logiciel et le plus de connaissances possibles. C'est un avantage d'être ici. On est parfaitement capable dans ce lieu-là, puisque c'est l'atelier qu'on connaît, et donc on n'a aucune hésitation à aller faire tout toucher et tout découvrir, justement parce que c'est notre lieu de travail et notre outil de travail, en fait, ce lieu. Et c'est les machines dont on se sert tous les jours. Il y a beaucoup de lieux de formation qui ne sont peut-être pas forcément des ateliers. Et donc ça, c'est bah, l'avantage en fait, d'être formé dans un atelier par des gens qui manipulent au quotidien et qui s'en servent de façon bah, professionnelle.